10 moments où un Mugiwara a tué dans One Piece. Les Mugiwara ont sûrement tué plus de 100 personnes depuis le début de leur aventure. Ça peut paraître étonnant, mais quand on relit en faisant attention aux détails, c'est clairement possible. Et nous allons voir pourquoi. J'ai donc passé ma semaine à relire toutes les grosses batailles de One Piece pour cela, pour compter quels Mugiwara ont pour sûr tué des gens, lesquels ont tué des gens accidentellement, et lesquels ont probablement tué sans que l'auteur ne le montre clairement. Dites maintenant en commentaire qui selon vous est le Mugiwara qui a le plus de kills confirmés, et croyez-moi, le gagnant va vous étonner. Le plus de kills, ça peut être qui? Qui est le plus gros Grinch? Franky à l'époque c'était un mafieux un peu, hein. C'était un brigand, hein. Il était très très vilain, un vrai Grinch. Bon bah Luffy il est plutôt connu pour être tranquille, vous dites quoi vous? Ah moi je sais pas, Allez si on devait parier... Non Zoro c'est trop beau pour être... ça paraît trop simple Zoro, donc je sais pas sur qui parier, franchement je sais pas. Ouais je sais pas, beaucoup de Grinch. Et commençons tout de suite en abordant le cas de Luffy. Le capitaine au chapeau de paille est bien connu pour sa façon de foncer dans le tas et lancer des grosses attaques en voyant valser des centaines d'ennemis. Le dernier exemple où on a senti qu'il y a une volonté de la part d'Oda de ne pas faire de Luffy un meurtrier est le cas de Babanuki, le gardien de l'ancienne prison d'Udon. Après que Luffy ait bloqué les explosifs contenus dans son corps qui ont alors explosé à l'intérieur de lui. Suivi de ce regard sombre, on pensait alors qu'à ce moment-là, Luffy... Qu'est-ce qui pue le flow? Ouh, regardez-moi ça. Le flow à l'époque, c'était quelque chose, hein. Tu sors du don, t'en peux plus. T'as Baba Yak Tix du parc Astérix, vous vous en rappelez? Oh putain, les souvenirs. 2022. Ça nous rajeunit pas, les frérots. 2022, Baba Yak Tix, le directeur du grand parc Astérix. Avais-tu Baba Yaga. Toute attente, on verra qu'à la fin de l'arc Wano Kuni, il est encore en vie. C'est pourquoi le dernier cas en date suscite beaucoup de débats, qui est évidemment celui de Kaido, étant donné que Luffy l'a envoyé dans la lave avec son Bajrangan. Normalement, on devrait le considérer comme mort suite à l'éruption volcanique, mais on peut se dire qu'il a survécu étant donné de la dynamique des adversaires de Luffy jusqu'à présent. Mais attendez, ce n'est pas tout, parce que si Luffy s'est toujours abstenu... Ouais, de mon point de vue, on doit considérer que Kaido est censé être mort. Maintenant, c'est vrai qu'on connaît, hein, vu qu'on n'a pas de confirmation, avec Oda, on n'est jamais à l'abri, surtout que dans le dernier chapitre, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, Oda, il a dit tout le monde est vivant. Oda l'a dit, j'en ai rien à foutre, tout le monde est vivant, tout le monde va bien. Ouais, maintenant le problème c'est Kaido et Big Mom sont beaucoup trop forts pour être de côté avec un potentiel retour n'importe quand. C'est très très compliqué. En plus Big Mom elle a encore son empire, il y a Katakuri qui a encore tout. Donc c'est très très compliqué de dire que les deux sont vivants, très compliqué. De porter le coup de grâce à ses adversaires les plus notoires, on ne peut pas dire que c'est pareil pour les adversaires plus anecdotiques. Un cas qui me vient en tête est dans l'arc Impel Down. Le niveau 4 de cette prison sous-marine, surnommée l'Enfer des Flammes, est un lieu d'une chaleur si intense que même l'air est brûlante. Plusieurs prisonniers ne peuvent pas supporter de marcher sur ce sol brûlant. Au centre, on y trouve une gigantesque marmite remplie de sang bouillant, réchauffée par des flammes, d'où la chaleur extrême de ce lieu. Dans le chapitre 533, un événement crucial se déroule. Luffy prête à tout pour la libération de son frère, pousse plusieurs gardes dans cette marmite. Sauf que plutôt dans le même chapitre, un garde d'Impel Down utilise cette marmite pour éliminer plusieurs prisonniers, démontrant ainsi la dangerosité et la fatalité apparente de tomber dans ce chaudron de la mort. Bien que les conséquences immédiates semblent mortelles, le manga et l'anime ne montrent explicitement... Luffy très très malveillant, un vrai Grinch, hein. Vous vous rappelez, j'ai fait une react vidéo, c'était les persos les plus malveillants, et j'avais dit que je soupçonnais Luffy d'être un peu malveillant. Vous vous rappelez quand il avait tapé Vivi? Il a dit j'en ai rien à foutre. Il avait mis une bonne patate à Vivi. Donc je soupçonnais un peu de malveillant. Je soupçonnais ce mec d'apprécier faire du mal à un peu à tout le monde. Et là, regardez-moi ça. Un fond de malveillant, un zeste de malveillance. Non, pas la mort de ces personnages, laissant place à l'incertitude. En plus, on pourrait penser que grâce à leur combinaison spéciale, que n'ont pas les prisonniers, ces gardes pourraient avoir survécu. Mais c'est marrant que quand Luffy projette des gardes dans la marmite, on ne montre pas ce qu'il se passe ensuite. Mais quand c'est un gardien d'Impel Down qui projette des prisonniers, on nous montre clairement ce qu'il se passe. Mais attention Luffy, ce n'est pas encore fini, parce que j'ai d'autres cas à aborder. Rappelez-vous de l'assaut sur Enies Lobby, un moment gravé dans la mémoire de tous les fans de One Piece. Dans cet arc, Luffy ne montre pas seulement sa force brute, mais aussi des conséquences involontaires de ses actes. Rappelez-vous pendant son combat contre Lucci, Luffy n'a pas hésité à balancer une attaque en Gear Third sur un navire. Selon les dires d'un officier de la marine, ces navires comptent normalement environ 1000 hommes. 1000 hommes, c'est quand même énorme, hein. Pour rappel, avec un seul coup dévastateur de son Gear Third, Luffy a infligé des blessures... Pleure, Lucci, pleure. ...grave à Rob Lucci, un agent d'élite du gouvernement mondial, boosté par les capacités d'un fruit du démon de type Zoan. Si un personnage fort comme Lucci a eu de graves séquelles,
Que dire des personnages ordinaires, moins aguerris au combat et moins résistants? Imaginez, vous êtes tranquillement dans votre cabine et là, bam, un pied géant vient vous écraser. Il est difficile d'imaginer que ces derniers aient tous survécu à la destruction causée par... Ouais, mais je préférais le truc avec Impel Down. Avec Impel Down, c'est un peu plus réel. Là, pour le coup, bon. Plus tard, lors de ce même affrontement, le vice-amiral Onigumo prend la décision impitoyable d'ordonner de tirer sur un de ses navires endommagés. Ah ouais, il va tirer sur son... le mec. Même les vice-amiraux, tu vois que c'est des merdes. C'est un truc de ouf. Le mec, il lui pose une question, le mec, il lui tire dessus, normal, incroyable. Pertinemment, que cela sacrifierait les marins à bord dans l'espoir de vaincre... Regardez-moi ça. Le manga nous fait très vite comprendre qu'ils sont tous morts et ont été tous sacrifiés. Mais derrière, ça veut dire aussi que lorsque les Mugiwara détruisent d'autres navires de la marine lors de leur offensive, ils pourraient, sans le vouloir, être responsables de la mort de dizaines, de centaines, voire de milliers de soldats. Ainsi, il est sûr que ces coups de Luffy ont dû tuer au moins une centaine de soldats de la marine. Après, remettons les choses dans leur contexte. Ces marines ne sont pas des amis. Ils sont envoyés par le quartier général de la marine pour raser Enies Lobby et détruire tous les membres de l'équipage au chapeau de paille. Et pour revenir sur Luffy, il n'a jamais été le héros traditionnel, ni même un héros au sens où on l'entend couramment. Il est guidé par une quête de liberté, où la notion même de vie ou de mort prend une autre dimension. S'il est confronté à la nécessité de sauver ses amis, Luffy n'hésitera pas à risquer sa vie ou celle d'un ennemi. C'est ce qu'il a démontré face à Don Krieg, allant jusqu'à risquer l'asphyxie sous un nuage de poison pour protéger les siens, tout en volant deux masques à gaz à deux soldats ennemis. S'il n'avait pas plongé, il aurait sûrement succombé au gaz. Et Shiro Oda a expliqué dans un SBS pourquoi Luffy n'achève pas ses adversaires. Dans cet univers, tous luttent pour leur rêve. Pour un ennemi, voir son rêve anéanti est une défaite aussi amère que la mort. C'est une chance pour reconsidérer son parcours, peut-être même une seconde chance de vivre selon de nouvelles aspirations. Mais encore une fois, ici, on parle des adversaires principaux de Luffy. Cette vision est partagée par Shanks qui, tout comme Luffy, dès le chapitre 1, souligne que les pirates ne sont pas un jeu. Ils engagent leurs existences dans leur quête, prêts à en payer le prix. La seule fois où les fans de One Piece ont pu voir Luffy vraiment tuer quelqu'un volontairement, c'est dans le film du Baron Omatsuri et l'île secrète. Il faut savoir que ce film est vraiment très spécial. Il casse tous les codes conçus par Eiichiro Oda pour One Piece, mais en même temps les sublime en fait, en te faisant comprendre les valeurs de Luffy. Alors mon verdict est que Luffy sera emprisonné au niveau 2 de la prison Luffy Lowdown, pour deux cas où il peut avoir probablement tué des soldats. Ouais, j'ai créé ma propre prison pour emprisonner les Mugiwara. Oui, oui, j'ai que ça à faire, oui. Mais assez parlé comme ça du capitaine, on doit étudier le cas de chaque membre. Ouais, j'aime bien. Ouais, elle a parfaitement résumé le truc. Après, c'est vrai qu'Oda a dit que Luffy tuait pas les grands ennemis, mais de mon point de vue, c'est surtout pour que Oda se garde de côté le fait de pouvoir réintroduire des personnages, ramener des persos comme Crocodile. Si Crocodile il était mort, bon bah il aurait jamais pu revenir et tout le potentiel qu'on connaît. Doflamingo, s'il était mort, on n'aurait pas eu ce potentiel plus tard, etc. Donc Kaido, c'est l'énigme. Pour moi, la vraie énigme, c'est Kaido. Le problème, c'est après 4 ans d'arc Wano Nigashima, est-ce qu'on a vraiment, on va vraiment réavoir un Kaido en fin de manga? C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Le cas de Kaido, c'est vraiment celui qui me pose problème. De l'équipage et voir qui a le plus de kills confirmés de façon explicite ou implicite. Et si toi aussi tu fais partie de ceux qui regardent la chaîne sans être abonné, n'hésite pas à appuyer sur le bouton rouge tout en activant la cloche et à laisser un pouce bleu. Passons au docteur de l'équipage, Tony Chopper. Évidemment, par son statut, on doute que Chopper... Tony Chopper, très bienveillant. C'est très rare d'avoir un moment malveillant avec ce perso-là. Très gentil, très sympathique. Jamais de problème avec lui. Déjà tué. Toutefois, dans l'univers tumultueux de One Piece, même Chopper a été mis face à des situations où tuer son adversaire a failli se produire. Mais jusqu'à présent, tous ses adversaires principaux ont survécu à leurs affrontements, malgré quelques situations critiques. Prenez Gedatsu par exemple, que l'on a vu s'asphyxier dans un nuage sur Upper Yard. On pensait qu'il était mort, or une mini-aventure a révélé qu'il a survécu. D'ailleurs, c'était super drôle quand Chopper lui souhaite... Chopper, c'est tellement un perso de con. Il sert tellement à rien, il a dit. Abuse, frérot, abuse. T'abuses de la méchanceté, la percha. Quant à Kumadoli, il n'a pas trouvé la mort par la main de Chopper. Dans une mini-aventure, lui, ainsi que tous les agents du CP9, ont survécu. Et tant qu'on y est, que dire du Monster Point de Chopper? Présenté comme une transformation imposante que Chopper peut déclencher en ingérant 3 Rumble Balls, et surtout, comme une forme qu'il ne maîtrisait pas à l'origine, le rendant aussi dangereux pour les ennemis que les innocents. Donc on se demande, Chopper a-t-il causé des morts dans cette forme incontrôlable? La réponse semble être non. Un flashback nous montre que même dans ces moments de perte de contrôle, la doctoresse Kurea explique à Chopper que miraculeusement, il n'a ôté la vie à personne. Et passé ce moment,
Chopper cessera d'utiliser le Monster Point de manière inconsidérée, maîtrisant désormais cette forme. Ah, il y en a qui ont pleuré à ce moment-là. Vous vous rappelez à l'époque, quand Chopper est passé de Monster Point en mode méchant, en mode tu le vois dans son regard noir, le regard il était vide, c'était une bête sauvage. Bon, un Chopper qui est un peu... c'est un peu plus voilà donc beaucoup ont pleuré. Bon, moi de mon point de vue, c'est vrai que ça peut être considéré comme dommage, hein. C'est vrai que en fait, ce qui était bien, c'est que tu voyais le contraste entre le Chopper tout gentil, tout petit, tout bienveillant, avec une vraie bête sauvage. Et ça, le problème, c'est qu'on l'a perdu. Hein, ça, c'est un fait, on l'a perdu. Et donc, je trouve ça dommage. Maintenant, t'as le côté contrôle. On pouvait pas avoir l'un sans l'autre, en fait. C'est ça le problème. Enfin, on pouvait pas avoir un Chopper qui contrôle et un Chopper mode vraiment méchant et tout. Donc bon, c'est... De mon point de vue, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Redoutable. Je vous comprends, hein, ceux qui disent « je pleure toujours », je vous comprends. Le problème, c'est que on pouvait pas avoir les deux. Donc voilà, ce n'était pas compatible malheureusement. Son retour après l'ellipse. Et enfin, on ne peut pas dire que Chopper est responsable de la mort tragique d'Illuluk. Ce dernier savait pertinemment que le champignon envoyé par son élève était empoisonné et a choisi de façon dramatique de finir ses jours, loin de toute implication du renne. En conclusion, j'ai pas de souvenir de moments qui nous permettent de dire que Chopper a causé des morts, donc Chopper, tu n'iras pas à Luffy le Garou. Eh oui, bah oui. Assez de personnages mignons, passons à un personnage beaucoup plus sombre. Nico Robin, l'archéologue de l'équipage au chapeau de paille, est un cas vraiment intéressant, car on le sait que Robin a passé une bonne partie de sa vie en tant que membre du Baroque Works, une organisation criminelle menée par Crocodile avec pour objectif la fondation du... Quel flow! Ça c'est le un vrai mafieux, regardez comment il est, le gros cigare, les cheveux plaqués, ah, le gros bureau, non, ça c'est Crocodile, c'est quelque chose, hein. One Piece, en vrai de vrai, la première fois, tu vois que tu passes une étape, en vrai c'est Alabasta, les autres étaient des petits arcs, bon, t'avais Arlong, t'avais Donkrieg et tout, mais quand t'as Crocodile en plus, il lui a donné un Logia, non, c'est trop... Non, à l'époque, c'est trop grave. Je pense que tout le monde a des souvenirs de ouf avec lui. Puissante. Robin pourrait facilement être soupçonné d'avoir des morts sur la conscience. Son même passé... tu regardes son équipage, il a quand même, enfin son équipage, son groupe là, le Baroque Works, beaucoup de golemons. Vous regardez énormément de golemons. Celui qui tient vraiment l'équipage, c'est vraiment lui, hein, pour le coup. C'est comme si dans l'équipage de Kaido, t'avais que Kaido, le reste c'est quasiment tous des golemons. Vous voyez, c'est compliqué. Non, tu vois les Tobi Roppo, ça dégage quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, les commandants, pareil. Là, heureusement qu'il avait sa carte de fidélité, là, Mr. One, le reste, ça pue un peu la merde, hein, faut dire la vérité. Hein. Et sombre, marqué par les actes d'espionnage et d'assassinat. Quand Usopp interroge... Tu m'étonnes, il peut pas aller loin, frérot. Tu vas aller où avec son équipage de... Enfin, son groupe de golemons, là. Bon, après, tu me diras, vous pouvez pas recruter des mecs vraiment... Voilà, vous pouvez pas recruter mieux, on va dire, donc bon. Sur ses compétences, elle répond sans détour être spécialisée dans l'assassinat, ce qui suggère un passé sanglant. Mais depuis que Robin a rejoint les Mugiwara, aucun acte de meurtre n'a été clairement lié à elle. Malgré sa capacité à briser des colonnes vertébrales, comme on le voit lorsqu'elle affronte des marines, ou lorsqu'elle éclate la nuque des gardes sur Tequila Wolf. D'ailleurs, ce moment est vraiment sombre, mais il n'est pas dans le manga. Ouais, j'adore la Robin sombre. Bref, les victimes de Robin se relèvent toujours. Faut dire que dans le monde de One Piece, les humains sont beaucoup plus résistants que des humains réels. Même dans les situations très critiques, comme lorsqu'elle brise la colonne vertébrale de Spandam, celui-ci survit, bien que grièvement blessé. Et lorsqu'on revient sur ses combats antérieurs, Robin n'a pas laissé de cadavre derrière elle. Ses cibles principales, telles que Yama sur Skypiea... Ouais, je pense qu'elle a dit ça comme ça, l'assassinat... Vous voyez, je pense qu'elle a juste parlé... Elle s'est donné un genre, voilà, elle s'est dit « Ouais, je suis une grande madame, je suis une méchante !» Voilà, cela joue un petit peu sombre et tout, alors que non... Black Maria, lors de l'arc Wano, n'ont pas été confirmés comme morts. Cependant, il y a un instant révélé au chapitre 1000. Elle trollait comme Kizaru, certainement. Où Robin, encore partenaire de Crocodile à l'époque, semble admettre la possibilité d'avoir tué. Elle est interrogée sur l'élimination de témoins gênants pour maintenir le secret de l'organisation. Et moi, je prends ce moment-là comme une confirmation que Robin a tué des gens dans le passé. Alors oui, le doute subsiste, mais évidemment, comme One Piece est un shonen, je pense que Oda n'a pas envie de montrer les morts que Robin a causées. Car au sein de cet équipage... Black Maria, on a de ses nouvelles. Alors là, on n'a pas de nouvelles de tous les Tobi Roppo et de Jack. On avait King et Queen à Udon. Les autres, alors là, c'est une très bonne question. Je sais même pas où est-ce qu'ils ont fini. C'est une énigme. C'est même tous les hommes de Kaido et tout l'équipage, peut-être qu'ils les ont jetés de la falaise. Je sais même pas où est-ce qu'ils les ont foutus. Hein. Je crois pas qu'on a d'infos. Hein. Soit Udon est gigantesque, qu'ils ont mis tout le monde, soit ils les ont jetés de la cascade, hein, c'est tout. Hein.
on remarque que les personnages ont une éthique plus clémente, où même les ennemis sont épargnés, comme son refus délibéré de tuer Igaram dans l'arc Whiskey Peak. En conclusion, si on juge par les propres paroles du personnage, elle ira au niveau 3 de Luffy le Down, ceux qui ont assassiné. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas combien elle a tué et qui est-ce qu'elle a tué. En tout cas, on peut le dire, dans cet équipage, c'est pas les plus matures qui montrent l'exemple. Et quitte à parler des adultes de l'équipage, passons au prochain personnage. Ah, il est là, l'horrible, l'infâme, le premier fils de la mer. Car on parle cette fois de Jinbe, l'ancien membre des 7 grands corsaires et compagnon fidèle de Luffy. Jinbe est réputé pour son honneur et sa compassion. Bien qu'il soit un guerrier redouté par tous, il fait preuve d'une retenue remarquable, évitant autant que possible de verser le sang inutilement. Ouais, mais voilà, certaines pages sombres ont marqué son parcours, notamment... Tiens, Pimbe, nous cacherais-tu certaines dingueries ? Lorsqu'il frappe des marines avec violence, alors qu'ils sont... Bon, ça c'est mérité, ça, après, ça va. Déjà inconscient. Dans le chapitre 621, même Arlong était choqué de voir une telle brutalité. Et là, on parle d'Arlong. C'est comme si une amie était choquée d'une personne qui aimait l'argent, quoi. Cependant, remettons encore une fois en contexte, ces marines voulaient réduire les esclavages. Ah oui, c'est des marines. Mais oui. Car ces derniers étaient des hommes poissons. La brutalité de Jinbe et Arlong. Ça va, il pourrait leur briser la nuque, hein. Franchement, il est gentil, Jinbe. Hein. Poussait Fisher Tiger à agir lorsque le capitaine des pirates du soleil convoque les deux. Il leur... Où est le mal d'éliminer un ou deux êtres inférieurs? Je vous ai demandé de ne pas tuer les humains. Vous en faites trop, tous les deux. On n'est pas des assassins, je vous rappelle, gravez-le dans votre esprit. Tiens, Jinbe. Fait comprendre l'importance de préserver la vie. Alors Jinbe, on est raciste? Alors Jinbe, on veut éliminer des êtres inférieurs? Convoque les deux. Il arrêtez avec vos Arlong. Arrêtez. C'est Jinbe qui l'a dit. Je m'en fous. Donc Jinbe est raciste. Jusqu'à preuve du contraire, il est raciste.